Voilà, prêtre du diocèse de Versailles à l'origine, je suis évêque du diocèse dans lequel il y a le sanctuaire d'Ars. Tout le monde connaît Saint Jean-Marie Vianney. C'est une très belle figure de prêtre, un très beau modèle, d'abord pour sa qualité de vie fraternelle. On connaît le curé d'Ars comme celui qui mangeait très peu. En fait, quand il recevait ses confrères à déjeuner, il leur faisait des repas excellents. Il avait aussi un vicaire qui n'était pas très facile à vivre, l'abbé Raymond, et il le défendait. Il avait dit, si on le fait partir, eh bien je pars avec. Et oui, donc je crois que pour nous aujourd'hui, c'est un super modèle de vie sacerdotale. Un jeune qui se poserait aujourd'hui la question de devenir prêtre, je raconterai cette histoire de Saint Jean-Marie Vianney lorsqu'il est arrivé à Ars. Il faisait le brouillard, il ne savait pas voir le village, et alors il a demandé son chemin à un jeune garçon, Antoine Givre, qui lui a montré le chemin du village. Et Jean-Marie Vianney lui a dit, tu m'as montré le chemin d'Ars, moi je te montrerai le chemin du ciel. Et voilà, la mission du prêtre, c'est de montrer le chemin du ciel, de guider chacun pour découvrir la joie de l'amitié avec Dieu.